On se souvient de la fameuse dictée de Bernard Pivot. La ville de Mantes-la-Jolie l'a remise au goût du jour en organisant pour la première fois une dictée mantaise. On va gagner. On imagine sans effort la mélodie qui accompagne cette phrase de triomphe. Ce ne sont pas des dizaines, mais des centaines de participants qui ont voulu tester leur connaissance de la langue de Molière. Les pièges étaient nombreux, certes, mais souvent savoureux. Ils ont ainsi pu se familiariser avec le molki, ce jeu de quilles finlandais, ou bien le kouign-amann, le célèbre gâteau breton, plus facile à manger qu'à écrire. Le jury a ensuite examiné les copies avant de désigner les meilleures d'entre elles, à l'issue d'une ultime épreuve de rapidité. Et là, c'est bon pour la jeune fille. Bravo, on peut Puis la ville de Mantes-la-Jolie et ses partenaires ont récompensé les candidats les plus méritants avec de nombreux lots. Devant l'affluence, la plus grosse erreur, ce serait de ne pas revenir l'année prochaine.